Bonjour et bienvenue sur Diagonale la leçon, tout sur les échecs. Et aujourd'hui, leçon spéciale consacrée à l'ouverture sicilienne Nashdorf, avec comme intervenant Jean-Luc Chabanon, le grand maître international. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Éloi. La sicilienne Nashdorf, c'est une arme très tranchante, jouée par les plus grands champions de la planète, puisque c'était l'arme favorite de Bobby Fischer. C'est aujourd'hui l'ouverture que Kasparov utilise en permanence. Cette Nashdorf, première question Jean-Luc, d'où ça vient? D'où vient ce nom, la défense Nashdorf? Donc, comme beaucoup d'ouvertures aux échecs, la défense Nashdorf est une ouverture qui doit son nom à un joueur d'échecs, donc un joueur argentin, Miguel Nashdorf, qui était donc le meilleur joueur sud-américain de ce début de siècle et qui est mort il y a quelques années. Donc, Miguel Nashdorf, une star nationale en Argentine et qui donc a inventé cette ouverture. Il l'a inventé, il l'a mise au point, il l'a développé, il l'a amélioré donc. Ça part d'une sicilienne normale. Sicilienne normale, on vous montrera tout à l'heure ce que c'est. Pour décrire cette ouverture avec quelques adjectifs, lesquels choisirais-tu? On va dire que c'est à la fois une ouverture extrêmement solide, puisqu'on doit constater qu'en compétition, les joueurs avec les noirs perdent très très peu de parties, une ouverture très logique qui contrôle le centre, et en même temps une arme extrêmement dangereuse, une arme de contre-attaque qui est très redoutable, puisque c'est quand même joué par le King Garry Kasparov actuellement. Qui a des très bons résultats avec, on le notera. Nous allons donc aujourd'hui essayer de vous expliquer cette ouverture Nashdorf. C'est une introduction, donc nous allons parler un peu de toutes les possibilités des blancs pour lutter contre cette défense Nashdorf. Une seule condition pour jouer la Nashdorf, ou en tout cas pour jouer la sicilienne, votre adversaire doit jouer le coup 1-E4. Sinon, il n'y a pas de sicilienne. Et ensuite, on verra toutes les déviations des blancs pour éviter la Nashdorf une fois qu'ils ont joué E4. Et ensuite, nous arriverons évidemment dans les grandes lignes de la Nashdorf. Donc nous allons vous montrer tout ça. C'est un petit peu une vue d'ensemble de l'ouverture Nashdorf que nous vous proposons aujourd'hui. Alors tout de suite, on va mettre l'échiquier. Le voilà. Premier coup, les blancs jouent E2, E4, et les noirs jouent C5. Ça, Jean-Luc, c'est la sicilienne. Voilà, donc c'est un coup qui caractérise la sicilienne, les noirs qui ne jouent pas symétrique, mais qui contrôlent quand même la case centrale D2, D4, par le coup C7, C5. Et ce genre de position mène finalement à des positions un peu plus complexes que E4, E5, puisqu'on arrivera probablement à une asymétrie au niveau de la chaîne de pions. Première remarque, première idée de cette ouverture sicilienne, c'est que les blancs ne peuvent pas donc installer un duo de pions central, puisque s'ils jouent D4 tout de suite, on prend en D4, on verra que ça existe. C'est le fameux Gambit Mora que nous avons déjà traité dans Diagonale. Mais là, pour en savoir plus sur le Gambit Mora, eh bien, je vous invite à aller dans la rubrique des ouvertures, jouer 1-E4 avec les blancs, et il y aura une analyse du Gambit Mora. Ici donc, les blancs dans cette position ont plusieurs coups. Il y a des systèmes qu'on appelle anti-siciliennes. Oui, il y a plusieurs systèmes dans cette position. Il y a donc la sicilienne fermée, pour Ça, c'est le commencer. coup cavalier C3. Cavalier C3. Alors, on appelle ça sicilienne fermée parce que les blancs ne joueront vraisemblablement pas avec D4, mais ils se contenteront de mettre leur pion sur la case D3. Voilà, donc les blancs qui vont jouer probablement D3 et le pion G vont le pousser donc en G3. Oui. Pour mettre leur fou blanc en fianchetto en G2. Donc, dans ce type de position, on doit dire que les blancs recherchent finalement une position de type est-indienne avec les blancs. Une sorte d'est indienne jouée en premier. Jouer en premier, voilà. Donc, La bonne façon de réagir avec les noirs contre ce coup cavalier C3. la façon principale, je crois que c'est de jouer cavalier C6, déjà, suivi de G7, G6. Voilà, on va jouer. Et très très souvent, quand les blancs refusent le débat théorique et ne jouent donc pas cavalier F3 et D4, qui sont les coups principaux qui caractérisent la sicilienne ouverte, eh bien très régulièrement, on fera appel à cette formation, KC6, G6 et fou G7. Un fou en fianchetto pour contrôler très bien les cases noires au centre de l'échiquier. Ça, c'est une des idées principales des noirs, dès que les blancs ne veulent pas jouer avec D4. Oui, ça c'est l'idée principale, donc contrôler le centre. Et en attendant, donc les blancs, eux, essaieront de pousser leur pion F et de lancer une attaque à l'aile roi. C'est un petit peu compliqué. Il y aura également à traiter dans cette ouverture l'attaque Grand Prix, qui se joue avec F4, cavalier F3. Donc ça, nous ferons des émissions spécialement dédiées à ces systèmes anti-siciliennes, comme on peut les appeler. Oui. Autre possibilité au deuxième coup, Jean-Luc, il y a une autre variante qui est vraiment très importante, c'est le Oui. coup C2-C3. Donc la variante alapine de la sicilienne, voilà, donc une variante assez logique également, donc un petit peu comme le préconisait finalement Nimzowitsch au début du siècle, on peut arriver dans des positions de française variante d'avance, donc toujours jouer pour sa structure de pion.
Mais ici, le coup principal, donc C3, l'idée est très simple, Jean-Luc, c'est de jouer D4. Et de reprendre du pion. Et quand les noirs prennent, on reprend avec le pion. Et pour ça, les noirs ont trouvé une solution, que nous étudierons plus tard, c'est qu'ils jouent dans cette position le coup D7, D5, tout de suite, qui fait donc une sorte de scandinave, mais avec les coups C5 et C3 intercalés. C'est donc pas du tout pareil. Et ça, on vous expliquera bien comment le jouer, mais en général, ça amène des positions où les blancs ont un pion isolé. On va vous juste mentionner cette petite variante. On reprend de la dame, les blancs jouent D4, et dans cette position, eh bien, quand on prend en D4, les blancs reprendront du pion. On prend pas forcément tout de suite en D4, et il y a une position avec pion isolé. Il y aura évidemment une émission entière consacrée à ce thème, la sicilienne C3, la fameuse variante à Lapine. Autre variante, Jean-Luc ? Donc sur E4, C5, il y a donc plusieurs variantes secondaires. Je pense qu'il faut quand même passer à cavalier F3 maintenant. Cavalier F3, c'est le coup principal dans cette position. Tous les grands joueurs jouent cavalier F3. Ils ont pratiquement tous arrêté d'essayer des sous-systèmes pour lutter contre la sicilienne. Il faut vraisemblablement jouer ce coup dans cette position. L'idée, Jean-Luc, c'est de jouer D4. Et quand les noirs prennent, on reprend avec le cavalier et donc on installe un cavalier au centre. Évidemment, donc cavalier F3 qui est plus intéressant que D4 tout de suite, puisque si on jouait D4 directement dans cette position, puis on prend D4, dame prend D4, si on voulait reprendre avec une pièce, on ne respecte pas les règles donc, du jeu d'échecs. C'est que là, dans cette position, les noirs... On respecte les règles du jeu d'échecs, oui, mais pas... pas les règles... Les règles disons pas les principes pas élémentaires. Pas les principes. Donc après cavalier B8, C6... Le cavalier en C6 chasse la dame de cette case centrale. Donc la dame doit jouer à nouveau et les noirs se retrouvent à nouveau au trait et ont gagné finalement un gros tempo. Les noirs ont gagné énormément de temps. C'est pour ça que les blancs dans cette position jouent cavalier F3. Ils ne veulent pas reprendre avec la dame en D4. Et la nage d'or dans cette position, c'est un coup qui est assez curieux puisqu'on ne sort pas de pièce. On joue simplement le coup D7, D6. Oui, donc on commence par le coup D7, D6. On laisse plein de souplesse à la position noire. Et donc l'idée principale, c'est tout simplement de laisser jouer les blancs. De laisser jouer les blancs, de laisser les blancs occuper le centre. On ne veut pas sortir ce cavalier B8, oui. Ce qui était le coup principal, finalement, cavalier C6. On ne veut pas jouer cavalier C6 dans cette position, puisque on veut garder un maximum de souplesse pour avoir les possibilités de le mettre en D7 dans certains cas. Exactement. Donc exactement, ce genre d'attitude. Donc finalement, pour avoir plus de souplesse à l'aile dame, puisque dans ce genre d'ouverture, beaucoup de choses se passent à l'aile dame. Ici, après cavalier F3, D6, donc un coup tout en souplesse, et c'est toute l'idée de la Najdorf, la souplesse. Les blancs donc, peuvent jouer D4, c'est le coup principal qu'on regardera tout à l'heure, mais il y a deux autres alternatives extrêmement jouées, Jean-Luc. Voilà, il y a deux autres alternatives extrêmement jouées. On va commencer par la moins importante, c'est C2-C3. C2-C3. Donc c'est encore la même idée qu'avant, sauf que là, justement, hein, si on se réfère par analogie, donc on veut jouer D4 et reprendre avec le pion, eh bien ici, les noirs ne peuvent plus jouer D5. Oui, ça change un tout petit peu donc, par rapport à tout à l'heure. Et là, je crois que le coup principal, c'est cavalier F6. Effectivement, cavalier F6. Donc tout simplement, attaquer le pion central. Et une manœuvre un peu curieuse, mais classique, c'est quand même de jouer fou D3, je crois. Et, alors là, il y a plusieurs solutions pour les blancs dans cette position. Il y a un piège aussi dans cette position. On peut jouer le coup H3, par exemple. Voilà. Puisque sur cavalier prend E4, on joue dame A4 échec qui récupère le cavalier. Donc ce qu'il faut voir, c'est que l'idée de ce coup cavalier F6, hein, le moyen pour vous en rappeler, c'est qu'on ne veut pas prendre le pion E4, puisqu'il n'est pas attaqué, mais on veut éviter que les blancs jouent D4, puisque s'ils jouent D4, eh bien, on le prend. Voilà. Cette fois, dame A4 échec ne marche plus. Donc voilà un petit peu l'idée de ce coup cavalier F6. Et sur n'importe quelle réponse planche à part D4, au coup d'après, on peut jouer cavalier BD7, qui cette fois-ci attaquera vraiment le pion, et empêchera les blancs, justement, de jouer le fameux D2-D4 en un seul coup. Il faudra qu'ils retardent ça. Mais enfin, cette ouverture C3 est assez venimeuse. Il faut s'y préparer, et donc être prêt à jouer les bons coups. Émission, évidemment, qui sera dédiée à cette sous-variante de la sicilienne Najdorf, encore une. Oui, on peut dire que là, c'est le moment où les blancs disposent de ces deux armes, donc C3 et le coup qu'on va voir actuellement, donc fou B5. Donc c'est le moment où les blancs disposent de deux armes qui sont assez dangereuses et qui posent quelques problèmes aux noirs actuellement, même si ça a tendance quand même en général à amener à des positions assez équilibrées. Pour contrer cet échec en B5, nous jouons naturellement fou D7, et après fou prend fou, bon, on va vous montrer la variante, fou prend fou, on reprend de la dame, puisque c'est très important de mettre le cavalier en C6. Maintenant, les blancs peuvent essayer de jouer avec C3 puis D4. Ils peuvent essayer plusieurs choses. Ils peuvent jouer avec B3 aussi. Il y a plusieurs possibilités, mais cette ouverture n'est pas très dangereuse. Le développement naturel pour les noirs après, ça va être KC6, cavalier F6, E6, fou E7, avec une position extrêmement solide, Jean-Luc.
Une position extrêmement solide, évidemment. C'est d'ailleurs ce qu'avait choisi Garry Kasparov quand il a joué sa partie contre le reste du monde, une partie qui s'est jouée il y a un an. Il y a un an, match organisé sur Internet, on le rappelle. Dans cette position, après D6, il y a donc fou B5 échec qui n'est pas très dangereux. Il y a C3 qui n'est pas très dangereux non plus. Le coup principal, on l'a déjà dit Jean-Luc, c'est le coup D2, D4. Voilà, donc D2, D4, on décide d'ouvrir le débat. Pion prend pion. Pion prend pion, c'est toute l'idée des noirs. Cavalier prend pion. Cavalier prend pion. Là, les noirs jouent cavalier F6. Cavalier F6 attaquant le pion E4, hein, ce pion est en prise maintenant. Avec ça, c'est-à-dire qu'en jouant cavalier F6 maintenant, on évite que les blancs puissent jouer C2, C4 et ensuite cavalier C3. En attaquant tout de suite le pion en E4, eh bien, on oblige pratiquement les blancs à jouer cavalier C3. Oui, il y a l'alternative F2, F3, mais cavalier C3 est le coup principal. F2, F3, c'est vrai qu'il faut absolument traiter ça. C'est une idée complètement différente, c'est de jouer avec C4. C'est pas vraiment une Cécilienne ouverte, c'est plutôt, ça, on peut apparenter cette possibilité aux variantes qui amènent vers un étau de Maroxy. Oui, c'est ce qu'on pourrait rechercher donc avec les blancs, une position avec un maximum de contrôle du centre. Un duo de pions central en E4 et C4 qui contrôle bien, qui verrouille la case D5. Mais bon, dans cet ordre de coup, ça laisse quand même aux noirs plusieurs possibilités pour contre-attaquer. Tout à fait. Donc cavalier C3. Voilà, cavalier C3. Ici, il y a plein de possibilités pour les noirs. Hein. Il y a la sicilienne du dragon, Voilà, c'est le donc. coup G6. La sicilienne Rauser, c'est le coup cavalier C6. Mais la nage d'orf, c'est pas ça, Jean-Luc. Non, le coup qui caractérise ici et qui caractérise cette défense Najdorf, c'est le coup A7, A6. Voilà, donc A7, A6. Un coup très très intéressant. Donc encore une fois, les noirs ne veulent pas jouer. C'est un coup tout en souplesse. Exactement. Donc les noirs ne veulent pas prendre de décision immédiate. Ils ne veulent pas surtout sortir ce cavalier B8. Ils préfèrent garder donc la colonne C ouverte pour l'instant. Voilà. Et évidemment, ils s'apprêtent aussi à jouer le coup dans cette position, principalement le coup E7, E5. E7, E5 et de temps en temps B7, B5, hein, Voilà, et de temps en temps B7, qui B5. fait parfaitement partie de toutes les possibilités dans la nage d'orf. Que dire de B7, plus? B5 qui permettrait éventuellement d'attaquer le pion E4 par le coup B5, B4. Un des plans très fréquents dans la nage d'orf, hein, normalement, on va jouer E6 ou E5, Ou ça E5. dépend. On va jouer B5 après, on menacera donc B4 qui chasse le cavalier C3 et attaque le pion E4. Le fou, on le mettra sur la case B7. Le cavalier, on le mettra sur la case D7, puis éventuellement C5. Il y a tout un jeu de pièces qui est axé autour de l'attaque sur le pion E4. Oui, et sur les cases centrales, évidemment. Sur toutes les cases centrales. Dans cette position, Jean-Luc, c'est vraiment le moment critique. Les blancs ont quatre coups qui sont vraiment très dangereux et très différents les uns des autres. On va les détailler un par un. Oui, on va donc s'intéresser à ces quatre coups. Donc, on va peut-être commencer par les coups où les blancs font petit roque en général. Oui. Donc, on va commencer par le coup, un vieux coup, le coup fou E2. Donc, un vieux coup, fou E2. Donc, là, les blancs ont un plan simple. C'est tout simplement de faire petit roque, F2, F4, fou E3, et roi H1 par exemple. Et Enfin, ensuite, on voit. et ensuite, on voit ce qu'on fait. Tout à fait. Alors, sur fou E2, on joue la variante avec E6, variante très calme. Hein. On laisse faire les blancs. Chacun des deux camps va se développer. Et on arrivera à une position tout à fait classique, la position Scheveningen, qui a fait l'objet de nombreux débats théoriques entre Karpov et Kasparov. Oui, donc fou E2, une variante qui était extrêmement à la mode dans les années 80 et qui se joue un peu moins actuellement. On va dire que ça se joue dans les moments les moins importants dans les matchs, lorsque les décisions sont faites et qu'on veut concrétiser son avantage ou dans une phase d'observation. Mais ce n'est pas la variante que l'on sort lorsqu'on a vraiment envie De marquer un de point. marquer un point. Fou E2, c'est une variante donc très très souple, à vocation pas très dangereuse, donc les blancs ne prennent pas trop de risques, mais en même temps se ferment beaucoup d'opportunités de gain. On joue donc le coup E6, mettons que les blancs jouent petit roque, dans cette position c'est logique. Maintenant on sort le fou sur la case E7, et ici si les blancs jouent F4, eh bien nous pouvons jouer B5. On menace B5 à partir de maintenant. Donc vraisemblablement, donc il y a beaucoup de subtilités dans cette position. Les blancs peuvent jouer fou E3 ou F4, mais il y a B5. Donc, ils préfèrent jouer le coup A2, A4. Très très logique, pour empêcher complètement le contre-jeu des noirs à base de B5. Dans cette position, pas de panique pour les noirs. On a un plan de développement qui est tout à fait déterminé. On joue petit roque. Les blancs jouent par exemple fou E3.
Et là, on ne met pas le cavalier en D7, Jean-Luc. Ça serait assez malvenu dans cette position, puisque les blancs perceraient en jouant F4, F5, avec une attaque dangereuse. Il faut mettre le cavalier sur la case C6. Et après F4, là, on menace peut-être cavalier prend C6, suivi de E5. Il faut donc se méfier et jouer dame C7. Et après le coup roi H1, les noirs ont énormément de possibilités. C'est vraiment la position Scheveningen tout à fait classique. Ici, on peut jouer tour E8, on peut jouer tour B8, on peut jouer fou D7. Il y a beaucoup de solutions. C'est une position complexe. C'est une position très complexe. Donc, on voit que, d'une manière générale, donc les blancs ont plus d'espace dans cette position. Mais les noirs contrôlent très très bien toutes les cases centrales. La colonne C est ouverte pour les noirs. Donc là, les noirs exercent une pression donc, contre ce manque d'espace. Ils ont quand même cette pression à l'aile dame qui est très intéressante. Et si les blancs veulent obtenir beaucoup d'attaques sur le roi noir, il va falloir pousser éventuellement le pion G, ce qui serait très dangereux puisqu'on pourrait jouer G4, G5, chasser ce cavalier de F6, une case où le cavalier contrôle les cases centrales. Mais en même temps, il y aurait quelques inconvénients puisqu'on voit qu'après avoir poussé le pion G, le roi blanc se retrouverait un petit peu à découvert. Sur la grande diagonale notamment, effectivement. Ici, c'est donc une position assez tranchante quand même, que les blancs peuvent traiter d'une façon beaucoup plus sécurisée en ne faisant tout simplement rien. C'est-à-dire qu'ils jouent par exemple fou F3, dame D2, tour D1. Si les blancs ne font rien dans cette position, c'est pas facile pour les noirs de passer, mais il existe des solutions. Ici, même si les blancs veulent faire nul, on ne peut pas dire encore qu'ils aient réussi. Non, c'est une position qui est extrêmement souple et qui laisse d'énormes possibilités aux deux camps. Donc contre ce coup fou E2, on va revenir à la position de départ. C'est celle-là. A6, c'est la nage d'orf. Donc nous allons enlever quand même toutes ces flèches qui sont un petit peu parasitaires. Il faut bien le dire. Voilà. Cette position de nage d'orf, première possibilité des blancs, c'est fou E2. Là, les noirs jouent avec E6, c'est assez important. Ensuite, ils sortent leur pièce, fou E7, et ils mettent le cavalier B8 sur la case C6, Jean-Luc. Il faudra le mettre en C6 quand on veut jouer contre fou E2. Oui. Ça, c'est le genre de choses dont il faut se rappeler. Autre possibilité, donc toujours les blancs joueraient des plans avec petit roc. Voilà, donc on va prendre le coup fou C4. Fou C4. Un coup qui revient de temps en temps à la mode. Et qui est quand même un petit peu plus agressif que fou E2, puisque souvent dans cette position, il faut faire très attention à ce fou de case blanche qui est placé sur la diagonale A2-G8. Voilà. L'idée après fou C4, c'est de jouer E7-E6 pour les noirs. Donc, oui. Petit roc pour les blancs. Petit roc. Alors, à noter, Jean-Luc, dans cette position, les blancs peuvent aussi jouer avec fou E3, dame E2 et grand roc. Et grand roc. Donc ça, c'est une variante que Fischer affectionnait particulièrement. C'est l'attaque Sozin. Velimirovitch Sozin, hein, fou C4 avec l'idée grand roc. Ça existe, mais généralement, on joue plutôt avec l'idée petit roc et F4, F5. Et F4, F5, voilà. Donc, on essaye finalement donc d'affaiblir la case E6 avec F4, F5. Oui. Et c'est beaucoup plus concret qu'avec un fou en E2 dans cette position, cette attaque de pion, puisqu'il y a un fou en C4 qui est sur cette diagonale. Il y a le cavalier en D4 qui attaque la case E6. Si le pion E après F4, F5 avance sur la case E5, dans ces cas-là, les noirs abandonneraient donc la grande diagonale pour le fou et la case D5. Pour le cavalier C3. Dans ce contexte-là, ce ne serait pas très intéressant pour les noirs. Il faut donc se prémunir contre cette poussée F4, F5 du meilleur moyen possible. Et pour ça, les noirs ont trouvé une solution assez récemment, mise à jour par Anand. Donc B7, B5. B5, fou B3. Et dans cette position, le simple coup fou D7, hein, très curieux, pour jouer cavalier C6 après, échanger un cavalier et jouer avec fou E7. On peut également jouer avec B4 très très souvent. Oui, donc B4, un coup qui... B4, c'est la menace, d'ailleurs. Qui est toujours une menace dans ce type de position. Il y a pas mal de fois où le sacrifice n'est pas bon, le sacrifice de pion E4, mais quelquefois, le pion est véritablement en prise. Il faut s'en méfier. Tout à fait. Donc ici, les blancs peuvent jouer avec F4, c'est un sacrifice de pion. Ils peuvent jouer avec tour E1, à ce moment-là, ils n'ont pas grand-chose. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cette variante avec fou C4, eh bien, les noirs doivent réagir très vite pour ne pas se faire massacrer positionnellement par le bélier F4, F5. Donc ça, c'est une variante assez dangereuse, fou C4. Il faut savoir la traiter avec précision, et c'est ce qu'on vous montrera évidemment dans l'émission consacrée à ce coup. 6, fou C4. Autre possibilité, Jean-Luc ? Donc, les possibilités avec petit roc, il y en aurait une troisième qu'on pourrait mentionner, donc c'est le coup F2, F4. Donc ça, c'est une variante un peu plus mineure. Hein. Elle est
pas beaucoup joué. Oui, une variante qui a été jouée un tout petit peu il y a quelques années, par, entre autres par Michael Adams, mais qui finalement qui n'a pas donné de suite. Donc on joue dans cette position, on réagit par E7-E5. E7-E5, il y a aussi une possibilité qui est de jouer G6, transposant dans une dragon plutôt bonne configuration pour les noirs, mais E7-E5 est le coup considéré comme étant le meilleur. Voilà, donc le cavalier roux revient sur la case F3. F3. Maintenant, on joue, je crois, le coup fou E7, oui. Tout simplement. On menace de jouer B5, les blancs jouent en fait avec A4, et maintenant, plusieurs possibilités. On met le cavalier B8 en D7 ou en C6, Jean-Luc ? Dans cette position, je crois qu'on peut roquer directement. On peut d'abord roquer. Le fou vient sur la case D3. D3. Et le cavalier en C6. Cavalier en C6. Et ici, il y a une variante très très importante. Sur petit roque, eh bien, nous prenons le pion F4. Puisque sur fou prend F4, il y a fou G4. Il y a dame B6 échec et dame prend B2. Ah oui. Désolé, Jean-Luc. On joue roi H1 d'abord. On joue donc roi H1. Et maintenant, il y a multiples possibilités. On vous en dira plus dans cette position. Elle n'est pas très dangereuse, les noirs doivent juste faire attention au début, puisqu'il faut prendre en F4 au bon moment, toute la difficulté est là. C'est-à-dire que si on laisse jouer les blancs et qu'ils arrivent à prendre en E5, ensuite jouer fou G5 et cavalier D5, il peut y avoir des problèmes, mais on ne laisse pas faire ça, il faut prendre en F4 au bon moment, c'est bien connu. Il y a beaucoup de théories là-dessus, on vous en expliquera plus tout à l'heure. C'est encore une variante, F2, F4 au sixième coup, où les noirs doivent jouer très précisément dès le départ. Ah oui, donc dans le problème donc, de cette Nashdorf, s'il y a un problème, c'est que les noirs doivent maîtriser, donc doivent connaître les suites de coups au début très, très exactement, parce qu'il y a, d'énormes dangers. Mais dès que l'ouverture est bien négociée, après, c'est un régal. Et on verra qu'on l'assimile assez facilement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, beaucoup de plans communs dans toutes ces variantes. Et une fois que vous saurez bien la jouer, eh bien vous serez prêt à affronter plus ou moins n'importe qui, puisque la réfutation de la Nashdorf n'a pas encore été trouvée. Il y a une tentative extrêmement dangereuse contre la Nashdorf, Jean-Luc. Oui, donc la tentative, une des tentatives les plus dangereuses contre la Nashdorf. Là, on arrive aux deux plus dangereuses. Voilà, donc c'est le coup fou G5. Voilà, donc le coup fou G5. Fou G5 qui a été joué par tous les plus forts joueurs qui ont dû affronter la Nashdorf un jour. Exactement, et c'est le coup qui est un des coups les plus historiques dans cette variante, puisqu'il donne lieu à cette fameuse variante du pion empoisonné. Pion empoisonné. Il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi la fameuse variante Polugaïevski. Si on joue. Non, ce n'est pas. C'est E6 d'abord, de toute façon. E6 d'abord, F2, F4. Et on joue F4. Et B7, B5, voilà. Ça, c'est la variante Polugaïevski, qu'on ne va pas regarder parce qu'elle est vraiment trop douteuse. La légende dit qu'il n'y a que Polugaïevski qui arrive à la jouer, tous les autres se faisant tout simplement pulvériser. Il y a la variante Laurent Fraissinet-Tony Costen, qui est donc le coup cavalier C6, qui est intéressant, mais pas très bon. Et le coup principal, celui qu'on s'efforcera d'étudier, c'est le pion empoisonné avec dame B6. Oui, donc dame B6, et là, on peut donc donner le pion par dame. C'est-à-dire qu'en fait, si on revient en jouant cavalier B3 avec les blancs, on obtient une position sicilienne à peu près normale où les noirs n'ont pas de problème. Pas vraiment de problème puisqu'ils ont joué cavalier B3. Donc le sacrifice de pion, c'est dame D2. Dame D2. Dame prend B2. Dame prend B2. Donc on prend un pion très important parce qu'en plus, les blancs ne peuvent plus faire le grand roque maintenant. Mais d'un autre côté, après tour B1, dame A3, on voit que les noirs perdent énormément de temps. Oui, les blancs ont développé donc leur tour, les deux cavaliers sont bien placés, le fou est bien placé, le centre de pion existe. C'est quand même une position extrêmement dangereux. C'est super dangereux, mais Garry Kasparov n'a jamais perdu cette position. Effectivement, on n'est pas Garry Kasparov, mais nos adversaires ne sont pas non plus les mêmes que les siens. Donc on peut espérer dans cette position gagner beaucoup de parties. En revanche, l'inconvénient, c'est que les blancs ont des possibilités pour faire nul de manière forcée. Ils peuvent tout à fait répéter les coups très régulièrement dans diverses situations. Un des coups dangereux ici, c'est le coup F5 tout de suite, je crois. Il y a également fou 2. Donc évidemment, cette variante des 4 pions sera traitée bien en détail, mais elle est trop compliquée pour être expliquée en quelques instants. Sachez simplement que dame B6 est sans doute le bon coup pour réagir à fou G5. Dernier coup, Jean-Luc, dernière variante. Voilà, donc on va passer finalement à la variante qui est à la mode actuellement. Donc le coup fou C1, E3. Un coup donc, qui se caractérise donc, par une attaque de type Saint-Georges, si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'on veut jouer F2, F3, G2, G4, mettre la dame en D2 et faire grand roque et attaquer le roi noir donc, qui va se retrouver du petit côté. Plusieurs solutions pour lutter contre le coup fou E3. Soit en jouant avec E6, ce qui est très très dangereux, mais ce que Garry Kasparov fait très bien.
Oui, donc Garry Kasperov qui lui préfère E6, mais qui joue également aussi E7, E5. Donc Garry considère que dans cette position, les deux coups sont possibles pour les noirs. E5, c'est pas mal non plus, mais c'est très très compliqué. Donc nous allons étudier plutôt le coup E6. Maintenant, les blancs jouent en général F3. On joue B5, Dame D2, Fou B7. Et là, c'est très très important. Sur Grand Roque, on joue le coup B4. On force le cavalier à partir. Et on joue la percée centrale D6, D5 avec une position très très complexe. Ça, on y reviendra dans Fou E3, un chapitre dédié encore dans cette session Nashorf. Donc Jean-Luc, la nage d'or, c'est très compliqué. Il faut bien connaître, mais on obtient des résultats assez fracassants. On voit que dans toutes les positions, les noirs ont beaucoup de jeu. Les noirs donc utilisent une stratégie très ambitieuse et finalement donc c'est une arme à conseiller pour les amateurs. On vous remercie d'avoir suivi cette émission de Diagonale la leçon. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour donc toujours la défense Nashdorf, mais plus précisément. Et donc à bientôt.